c'est un shopping ensemble. Ouais! Installer les décorations. Double de Lululemon. Vois-tu ça pour ma fête? Paquet de citrouilles. Le seul avantage de se lever aussitôt, c'est que le ciel est vraiment beau. Mais, un petit 5h45 pour monsieur ici. C'est tôt. C'est très tôt. Fait que, café va être très nécessaire ce matin. Je sais pas pourquoi ça m'a tellement pris tellement dormi hier soir. J'imagine que je me suis pas assez disciplinée. Fini avec le yoga. Ok. Est-ce qu'on mange un petit morceau de toast? Vraiment pas disciplinée hier soir. J'étais sur mon sel vraiment plus tard. À checker des TikTok et des affaires par rapport. Fait que ça sera ma leçon. Le seul soir où j'ai de la misère à m'endormir. Faut qu'il se lève vraiment tôt. Mais bref, j'ai mis des petites patchs ici. J'ai un petit bouton que. Maman. J'essaye. Maman. Tu peux pas être dedans, toi, t'as pas de vêtements. Hello, officiellement ce matin. Je pense que je vous ai pas parlé pendant toute la journée. À part genre des petits clips. Je sais même pas si j'ai filmé ce matin. Bref, on est rendu vraiment plus tard. J'ai fait ma journée de travail et tout le tralala. Et puis, c'était rien d'exceptionnel, rien de bien intéressant pour vous autres. Fait que je me suis dit qu'on allait juste reprendre quand j'allais avoir terminé toutes mes tâches de la journée. Mais j'ai une couple de petites commissions à venir faire cet après-midi. J'ai 2-3 places que je voulais arrêter, dont le Old Navy, mais c'était pour retourner une paire de souliers et j'ai oublié la dite paire de souliers. Donc, on va reporter ça une autre fois. Je me dis que ce serait cool de se faire une petite séance shopping ensemble. Je sais que vous aimez bien ça quand j'amène magasiner avec moi. Fait que ce que je vais faire, je pense, avant toute chose, je vais manger une des vieilles pâtes douces dans ma sacoche parce que j'ai vraiment faim. Puis ça va remplir un petit coin. Hey, t'es miette, ça n'a pas de sens. Mon premier stop. Marshalls, je vais venir voir pour un déguisement d'Halloween à Théo. Commence à se faire un petit peu tard, malgré le fait qu'on est même pas encore en octobre. Mais ça part vite, fait que je veux checker pendant que c'est encore le temps. Oh, cute. Oh my god. Trop mignon. Ok, où est-ce que je me dirige? Il reste encore, fait que c'est pas super. L'année passée, il était un genre de petit lion. Comme ça. C'était vraiment cute, mais vraiment chaud. Fait que j'aimerais ça trouver quelque chose d'un petit peu plus léger. Les robes sur pour filles sont tellement plus cute, je trouve. Ça, c'est quand même mignon. J'en ai trouvé d'autres ici, mais pour vrai. Sont, comme ça, c'est quand même cute. Mais sinon, il y a celle-là. T'sais, j'aurais aimé ça trouver quelque chose qui aime, mais genre, je trouve pas grand-chose. Je me dis, ça peut être quand même mignon. Là. C'est juste pour même pas une heure, puis peut-être pour la garderie, mais peut-être même pas. Fait que ça ou celle-là. Mais je pense que le rouge est plus thématique, fait que je pense que ce serait plus nice. Bon, fait que pompier, ce sera cette année. Il a l'air grand aussi, fait que ça va être parfait. Je pense que ça va y faire. Deuxième stop, Costco. Parce que ça, je retourne du stock dans la fin de semaine. Puis il nous manque des trucs pour les chats. Fait que on fera d'une pierre deux coups. Maintenant, les achats. On n'a vraiment pas besoin de grand chose. Juste de litière pour les chats. Puis de nourriture pour les chats. Fait que. Et voilà le travail. 5 minutes et c'est fini. On s'en va du Costco. J'aime ça quand c'est rapide de même. Oh my god. Je peux pas croire que tout le stock de Noël est sorti. Oh my god, c'est tellement beau. Il me semble que c'est tôt à chaque année. Commission terminée. Je vais chercher mon petit pot. On est rentré à la maison, on a pris les jouets de sable. Puis on va aller au parc. On est tellement bien aujourd'hui là. Fait comme 20 degrés, un petit vent, un petit peu de... T'as le camion de poubelle? Non, c'est une tondeuse que tu entends, mon amour. Fait qu'on va aller faire un petit tour au parc. Profiter de cette belle température-là. Checker les beaux arbres, plein de couleurs. J'envisage toutes les feuilles qui vont vouloir ramasser à la maison, mais ça, c'est un détail. Un, tapoc. Deux, trois... Go! Encore. 1, 2, 3. Les pieds en haut.
qu'est-ce qu'on fait? Ben. On s'en va voir le camion de poubelle dans la poussette. On va aller marcher, on ramasse les jouets de sable. Ok, 1, 2, 3. Hop! Hop! Faut vider le sable dedans. On a joué au camion, au château. Oh! Tu l'as entendu? Il a klaxonné. Tu veux-tu mettre les pelles en dessous? Oups! Ta maman va te la donner. Est-ce qu'on dit bye-bye le parc? Bye-bye! On a trouvé un autre parc, fait qu'on est venu s'installer encore pour jouer dans le sable. On fait quasiment 2 heures qu'on est au parc, fait que j'ose croire que ça va bien souper après tout ça. Regarde les lumières! Notre chose préférée le soir, c'est qu'on s'installe dans le petit, dans sa chambre, je sais même pas ce qu'on peut voir. Puis on met de lumière au plafond comme ça. Bâton? Oui, un bâton. C'est lumière Amazon, dans un petit téléphone, il avance, il... fait de la musique puis tout, mais c'est vraiment hot. Okay. Ah oui, la raquette. On l'a laissée là ce matin. Antoine nous a préparé un bon petit souper. J'ai pas de temps faim, parce que j'ai dîné quand même tard, mais ça a l'air vraiment bon. Fait que petit poulet sur le barbecue. Ça, c'est une salade que le père de mon ami a faite en fin de semaine. Genre style salade mexicaine, poivron. Je sais pas trop c'est quoi les épices qu'il y a dedans, là, mais c'est tellement bon qu'on a hérité du plat. Fait qu'on va manger ça avec notre souper. Du petit riz aux légumes. On va pouvoir manger en relaxant un petit peu. Pendant qu'Anto continue sa petite toile. Sa grosse toile, je devrais dire. C'est pour dire, c'est pas pour le style. C'est juste que ça glisse mieux. J'ai comme eu une envie soudaine de sortir ce qu'il y avait dans mes sacs de linge d'automne. Puis de regarder ce qu'il y avait là-dedans pour voir si je fais du ménage, si je garde pas. Juste sortir parce que les petites journées froides s'en viennent. Puis je sais pas. On dirait que je suis inspirée. Fait que je vais faire ça. Je vais commencer par faire un petit clean-up de mon garde-robe. Puis checker genre qu'est-ce que j'ai pas mis, mettons, dans les derniers mois. Puis ranger comme mon linge qui est un peu plus été pour remplacer par mon linge. Un peu plus automne, un peu plus pour les températures froides. Garde-robe clairée, fait que tout ce qui reste là, ou presque, c'est du stock que je vais porter. T'sais, plus du stock de transition, automne et en allant vers l'hiver. On peut voir qu'il reste vraiment plus beaucoup de couleurs, parce que j'arrête de porter des couleurs, on dirait, à ce temps-ci de l'année. Mais, qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Ici, j'ai un sac que je viens de faire avec du stock d'été. Ici, c'est du stock d'hiver, mais tu sais, vraiment plus comme des laines super chaudes, vraiment, vraiment plus épaisses. Chose que je vais sortir un peu plus tard là, dans la saison parce que il fait encore chaud malgré tout. Donc, ça sera être un peu plus tard. Idem pour ça ici. Puis ça, c'est du stock que je vais mettre dans d'autres sacs. Ça, c'est les 2 seuls morceaux que je me suis sortis de tout ce que j'ai trouvé parce que je me débarrasse de tout ce qui est là. Fait qu'il y a une 20aine de morceaux là-dedans que j'ai su tout de suite que, ok, je les ai pas portés puis je les porterai pas. Fait que ça se passe bien. Même des sacs vides, tellement que je me suis débarrassée de stock dans les derniers mois. Il en reste encore beaucoup, mais on fait du progrès. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Mon objectif serait vraiment de ne plus avoir autant de vêtements que ça. Mais j'ai vraiment problème. J'aime vraiment ça. Fait que j'ai de la misère à me débarrasser du stock, mais c'est vraiment essentiel. Il faut que ce soit fait. Puis c'est pour ça que
J'essaie vraiment maintenant, quand j'achète des morceaux, de me dire, je les aime-tu vraiment à 100%? Est-ce que c'est quelque chose que je me vais porter pendant des années? Est-ce que ça convient à mon nouveau style de vie? Tu sais, j'avais plein de beaux tops, mais genre des crop tops puis des affaires vraiment courtes que je mets plus. Puis si jamais on sort ou quoi que ce soit, ben ça arrive une ou deux fois par année, j'ai quelque chose d'autre pour faire dans ma garde-robe. Là. Fait que comme je dis, c'est vraiment d'être plus réaliste avec ça. Puis, oh, cute! That's cute, ça venait du Tic Géant. Vraiment belle. Fait que je pense que je vais la... Elle est quand même épaisse, mais genre pas autant que les autres. Je vais la sortir, ça. Je l'adore, mais elle est encore trop chaude. Oh, ma robe off the shoulder. Vois-tu ça pour ma fête le mois prochain? J'ai l'impression que ça pourrait être quand même cute. Longue, 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 la manche longue, là. Comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une autre blonde que j'adore, que je vais sortir, qui est genre une couleur parfaite pour ce temps-ci de l'année. Ça, je me débarrasse. Mais ça, c'est genre des staples, une espèce de jupe en cuir. Mais tu sais, je porte pas vraiment ça. Je me dis, si un jour je retourne au bureau, ça, c'est le genre d'affaire qui se démode jamais. Oh my god, mon top que j'ai cherché tout l'été. Bon, ben on le ressortira l'année prochaine, mais je vais le mettre avec le stock d'été. C'est là que ça va. Tu veux te laver les mains dans l'autre? Oui. Ça, c'est la définition de genre. Alors. Les parents qui t'ont pris un peu dans le dit. Ça sent ton pied. Tu veux-tu donner le café à papa? On va essuyer les mains. On va essuyer les mains puis tu vas donner le café à papa? À papa. Merci. Bisous. Bon matin. Tu veux ta casquette? On était en train de jouer en bas avec le panier de basket puis le truc de baseball là, que Théo Orsa s'est fait, comme je vous ai montré. Puis à un moment donné, il nous a juste regardé et il a fait marche poussette. Fait que on s'en prenait une petite marche à la demande de Théo ce matin. C'est pas chaud ce matin, hein, genre 14 degrés. Fait que j'ai mis ma petite casquette juste parce que mes cheveux vont vraiment durs. Cette veste-là qui vient de Marie Claire, mais l'année passée, petit t-shirt super basic de Aritzia. Mes leggings, c'est des leggings que j'ai pris sur Amazon. C'est mes leggings préférés. C'est les mêmes leggings que je portais quand j'étais enceinte, juste une grandeur plus petite. Puis c'est vraiment mes préférés. Genre, sont super ajustés, puis tout le monde les disait comme quoi c'était quasiment des doubles de Lululemon. Je les aime vraiment beaucoup. Avec mes petits Nike comme ça. Tu veux une casquette? Hein? Monsieur arc-en-ciel de couleur. On met les souliers dans tes pieds? Papa! Casquette! Toi, qu'est-ce que tu portes? Ah, ta casquette pleine de yoga, miam! Oh, Luna! Casquette! Tu veux donner ta casquette à Luna? Oui. Elle veut pas? Je vais juste transférer mon café de tasse parce que j'ai pris à peu près 4 gorgées dans la dernière demi-heure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la fermer? On n'a pas besoin de la fermer, bébé, il n'y a pas de bébé. Ma petite tasse que j'ai pris sur Amazon, c'est exactement la même qu'on était à Québec, on est allé dans un coffee shop, puis c'est exactement elle que j'avais vue. Puis j'ai comme vraiment hésité à l'acheter, puis je l'ai regrettée. Je la trouvais vraiment belle, mais je voulais premièrement voir les reviews avant de la commander pour être sûre qu'elle soit spill-proof, puis qu'elle soit super pratique pour garder chaud et tout. Fait que quand j'ai vu que c'était le cas, quand j'ai checké en ligne les reviews, je l'ai commandé tout de suite sur Amazon. Fait que
Vraiment cute. Je pourrais vraiment t'en boire un fou. Checker la texture. Ça me fait vraiment penser aux tasses de Nespresso qui ont sorti, qui sont en format plus petit que ça, mais celle-là est vraiment grosse, c'est genre du 16-11. Ça fait quand même pas mal. En voyant toute la cour en bordel, ça me fait vraiment penser que dans vraiment pas long, il va falloir tout ramasser. Le stock, la cour, le. De wrapper les headsets. J'allume-tu l'eau? Je pense que oui, hein? Ouais. Ouais, c'est ça, tout ramasser, là. Les jeux d'eau, petite maison, petit vent extérieur. Tout mettre ça sous la bâche qu'on est en train d'essayer de laver et de faire sécher. Puis faire un gros clean-up aussi du cabanon. Parce que l'année passée, on avait le gros cabanon, là. Je peux me souvenir qui était là pour tout ranger, mais pas cette année. Fait qu'il va falloir checker qu'est-ce qu'on fait pour la table de vitre, les chaises, tout le kit, là. On a du stock entier rangé, puis il me semble qu'on a plus beaucoup de place. Fait que l'eau est partie. Les headsets aussi, il va falloir les gens de, pas les rapper, là, mais mettre de quoi autour là, pour... on a un petit peu de misère là, avec nos headsets. Ils ont poussé un peu, ça c'est super. Oui, mon bébé. Mais comme on peut voir, il y en a deux, trois qui n'arrachent un peu. Fait que vu qu'on a vraiment eu des grosses chaleurs, puis des grosses fraîcheurs, puis la température est vraiment changeante, j'ai l'impression que ça les aide pas. Mais on a un petit tuyau là, qui est en dessous. Fait qu'on essaie de partir là tous les jours, qu'il n'y a pas plu. Ok, t'as sûr Théo, va pas là mon bébé. Tiens, on va aller marcher. Théo qui triche sur le baseball. On t'a dit pourquoi on va pas marcher dessus? C'est sûr qu'il va faire du baseball lui plus tard. C'est cool hein? Tu veux-tu toucher? C'est cool hein? Yeah, c'est spécial. C'est pas du vrai gazon. Cours avec papa! Ouais! Je viens tout juste d'aller chercher mon frère parce que il a fait entreposer sa moto. Fait que il avait besoin d'un lift pour revenir de la place d'entreposage. Donc, c'est ce que je fais depuis la dernière heure. J'étais au téléphone avec mon père aussi en même temps. J'ai jasé des trucs de business. Puis j'en ai profité pour travailler un petit peu sur mon sel pendant que j'attendais après lui là-bas. Fait que ça s'est bien fait. J'ai arrêté aussi de me chercher un petit café. Ils ont sorti latte Pacan. Puis je suis vraiment très excitée. J'ai même pas pris une gorgée encore parce qu'il est ben trop chaud. Mais je suis vraiment excitée de goûter à cette nouvelle sorte-là. Je prenais tout le temps celui croustado pomme lait d'avoine. Mais on dirait que je commençais à être tannée. Fait que quand j'ai vu qu'il y a celle-là puis qu'il était nouveau, j'étais genre, oh ouais, ça va être délicieux. Oh non, attention! Un petit écureuil. Fait que je vais retourner à la maison, commencer à travailler. Je veux travailler pas mal, principalement à l'ordinateur, je dirais, ce matin. Fait que c'est ce que je vais faire. Puis cet après-midi, j'en profiterai peut-être pour filmer du contenu ou filmer différentes affaires. Faut aussi que je fasse un petit clean-up de la maison parce que ce soir, ben aujourd'hui, c'est la fête de ma belle-mère. Fait qu'on va, les recevoir, elle et mon beau-frère, à souper. Fait que j'aimerais ça que la maison soit quand même propre et ramassée et propre. Fait que une belle journée devant nous. Mais avant toute chose, petit taste test de ce bon café. Ouh! Mmh. Oh, j'aime ça. Il est pas trop sucré. On dirait que je pensais que ça allait être plus sucré que ça, mais c'est parfait. Puis en latte, là, c'est tellement bon. Anto est allé au Costco pendant ce temps-là. Il a pris des barres grenades. Oreo comme ça ici. Des bonbons d'Halloween qui est en rabais. Lingette pour bébé aussi qui était en rabais. Fait que ça, il nous en restait juste un paquet, c'est parfait. Les Prime sont vraiment bons pour vrai. On a essayé les Biosils, tantôt les aime bien, mais moi je préfère et de loin ceux de Prime. Je trouve qu'ils goûtent un peu plus. Je trouve qu'ils sont vraiment bons avec du lait, des fleurs pour sa mère vu que c'est sa fête qui est déjà allée lui porter. Puis du lait pour moi. Donc, assez simple, mais c'était principalement ce que je voulais. Puis lui voulait principalement aller chercher des fleurs. Fait que, thumbs up pour le petit Costco. Ouais. T'es malade? I don't know, oh, ouais. Ah,
Alors, je fais de la fièvre, je suis vraiment folle. Petit colis Puro qui vient de cogner à la porte. Ben, pas Puro, mais c'est genre Coutu. What is that? Oh! The Face Shop. Donc, plein de produits Face Shop ici. On a une crème soin des pores arbratée. J'adore le tea tree. Fait que s'il y en a dans les produits, ça, je suis vraiment down. Même chose, mais nettoyant en gel. Tampon tonifiant. OK. Soin en poule pour les pores. Masque de nuit pour les lèvres. Oh, genre même principe que la neige. Puis un masque pour le visage. Très cool. Très cool, très cool. J'ai hâte d'essayer ça. Fait comme ça, je vais être à l'ordi pour les prochaines heures, essayer d'avancer un maximum de choses, puis focusser. Sérieux, je suis plus capable. Je pense pas que je filmais, j'ai pris comme un 2 semaines de off pour rattraper mon retard de vlog, là. Mais on a eu un petit peu plus de démolition qui s'est faite dans le sol, rien de bien extrême, là, juste les garde-robes du fond, j'irai vous montrer. Ça fait que toutes les garde-robes qui étaient pris avec du stock, il a fallu mettre le stock à quelque part, puis j'ai tout monté en haut, genre le stock que je voulais pas qui attrape de la poussière. Fait que, genre les valises, le linge, du stock, tu mettons, ça c'est pour... le traîneau d'hiver, c'est comme en moutmout, les trucs de caméra, en tout cas, pas quelle affaire. Mais genre, je rentre dans mon bureau pis c'est tout ce que je vois. Un foutu gros mess. Fait que là, je suis comme, peut-être que je le redescends en bas, mais il va recommencer bientôt. Fait que je suis comme, ça sert à rien. Mais genre, je pourrais pas laisser ça là éternellement, là. Comme, ça m'angoisse. On vient tout juste de finir de dîner. Puis je me suis dit que j'avais un petit peu de temps avant mon meeting, fait que j'allais en profiter pour installer les décorations d'automne. Vu qu'on a justement notre souper ce soir, je me disais que ce serait cool d'avoir un petit vibe d'automne. Fait que j'ai mon bac ici avec toutes mes décos d'automne dedans, plein de fausses fleurs, fausses plantes qu'on va pouvoir utiliser, puis plein d'affaires ici. Fait que je vais regarder... ça avec quoi on travaille? Couverture. Ah, oh, ça va être parfait. Les housses de coussin. Je les ai pris au IKEA. Elles sont vraiment belles. J'aime tellement la couleur. Donc, on a deux de ça. Puis un paquet de citrouilles. Fait que je me dis qu'il est quand même pas trop tôt pour les installer. On arrive quasiment en octobre. Fait que c'est rare que j'attends autant que ça. Mais on dirait, vu qu'il a tellement fait chaud dans les derniers jours, dans les dernières semaines. J'étais comme vraiment pas dans le mood de faire ça. Mais là, je le suis avec les températures un petit peu plus fraîches. Fait que j'essaie juste de regarder là, où est-ce qu'il va aller. Un peu toutes ces belles choses-là. Celles-là, je pense que je vais les mettre sur le comptoir dans la cuisine parce qu'on a un pot de fleurs là. Puis en ce moment, c'est vraiment des fleurs genre rose, pâle, tu sais, des fleurs d'été. Fait que ça, je me dis, ça va être parfait là. Ça, je sais pas exactement où je vais les mettre, mais je sais que je vais en mettre une coupe qui sont là. Puis, je vais voir où j'installe les autres. On va commencer par celle-là parce que c'est ce duquel on est le plus proche et ce qui va être le plus facile pour commencer. On a genre plein de couleurs. Ils viennent tous du Dollarama. Pour vrai, là, je les trouve tellement belles. Fait que, je vais regarder c'est ça, quelle couleur qui fitterait le mieux. Celle-là, je sais pas pourquoi, là. Il y a comme 4 feuilles dessus. Elle n'arrache pas. Mais j'aime vraiment comme toutes ces couleurs-là ensemble. Je trouve ça vraiment cute. Mais je suis pas mal sûre que ça va être un petit peu... too much pour mettre là, même si j'adore que ça fit. On va l'essayer. Oh! Oh! Ah! Le vase est un... un petit peu petit. Ok, on va remédier à ça. J'ai celui-là que j'avais pris à l'aubainerie. Il y a une couple d'années, il était dans notre entrée, mais on le voit pas vraiment. Fait que je me dis, ça pourrait quasiment être cute de mettre ça là, un petit peu plus gros. Puis, ouais, j'ai l'impression que ça peut le faire. Ah ah, et voilà. Ça ressemble à ça ici. Less is more. Mais j'aime vraiment ça. C'est vraiment cute. C'est vraiment tout dans les teintes, genre, d'automne. Fait que je trouve ça parfait. Ça ajoute juste un petit pop. On a ce petit vase-là ici. Comme je dis, les fleurs sont vraiment mignonnes. Elles viennent du IKEA il y a une couple d'années. Mais on va remplacer par ça ici. Juste parce que je trouve que ça fit un petit peu plus le vibe. Comme ça. Idéalement, ce vase-là ne serait pas transparent. Mais c'est pas le cas. Fait que, qu'est-ce qui est le plus... ça va être ça. Mais c'est quand même cute, ça a juste un petit pop, puis très mignon. L'autre partie, c'est les tablettes, qui est toujours assez intense. Désolée, le ballon qui
dur encore. Mais, j'en sais qu'il est haut, mais ça fait pas très fall. Fait que déjà, ça en partant, ça c'est des décos de Noël, que je trouvais juste trop belle, fait que je les avais laissé sortir, mais genre, ça fait trop plus pantoute. Fait qu'on va enlever ça. Puis, on a plein de petites citrouilles qu'on va venir installer, je crois. Il y en a qui sont comme en mout-mout. De même que je me dis je vais quasiment garder à proximité. Les autres, je veux pas que Théo y touche parce qu'il y en a qui sont en céramique et qui sont vraiment fragiles. Mais celles que c'est pas si grave que ça, je vais les mettre genre sur la petite table basse et je vous montrerai après. Juste pour que ce soit mignon. Puis ça ajoute un petit pop. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Là, il manque de hauteur. Fait que j'aille chercher quelque chose avec de la hauteur, genre un vase pour mettre des feuilles, le même genre de feuilles que j'ai mis là-bas, je pense que ça serait comme une cute ici. Qu'est-ce que j'enlève? Il y a comme beaucoup de verre. Je veux pas qu'il y ait autant de verre que ça, parce que justement, je trouve que ça fait plus été que automne. Je veux pas tout l'enlever non plus. Fait que celle-là que je pourrais enlever. Ça. Moi, ça, les faire à côté, une sur l'autre. Genre. Oh, cute! Ici. Ici. Les petites, petites. Ça, c'est une de mes préfs que j'avais pris au Michael's. Donc, je crois qu'elle va aller là. Dans le fond, c'est ça. Mes décos d'automne se résument quasiment uniquement à plein de citrouilles partout. Et j'adore ça. OK, fait qu'on a ces deux petites-là qui sont là, cute. On a les deux petites-là. Puis on a deux autres là. J'ai fait un peu le même principe, mais pour vrai, quand, genre, c'est rare que tu vas voir les deux, fait que c'est vraiment parfait. Je dirais que je sais même pas si j'ai envie d'en mettre plus que ça. Je trouve vraiment qu'il manque de quoi en arrière des deux, mais je sais pas quoi mettre, parce que tout ce que j'ai, c'est ça. C'est d'autres petites citrouilles. C'est celle-là mignonne, fait que celle-là pourrait être à quelque part, mais j'ai pas envie de overdo it. Donc, je pense que je vais laisser ça comme ça. J'ai aussi l'espèce de pampas grass, genre, qui est vraiment beau, que je me dis que je pourrais mettre en arrière de ça. J'ai l'impression que ça ajouterait une petite touche de quelque chose de plus qui n'est pas juste des citrouilles, mettons. Mais je vais faire un autre petit vase, comme on a fait là-bas. Mais pour la console de l'entrée, je me dis que ça peut être quand même mignon. C'est pas mon vase préféré. Mais il ne paraîtra pas parce qu'il y a un cadre dedans. Donc, c'est bien parfait. À un moment donné, j'ai pas envie non plus de racheter à chaque saison. C'est vraiment pas réaliste. J'ai vraiment envie de faire avec ce que j'ai. Même si des fois nos goûts changent de saison en saison ou d'année en année, je pense que ça sert à rien de genre full racheter. Je vais peut-être mettre justement une petite citrouille dans la salle de bain. Juste pour un petit pop là-bas. Puis peut-être une sur le buffet en rentrant. Mais c'est pas mal les deux options que je verrais. Sinon, je vais garder ça comme petit assez basic pour cette année. Parce que il me semble qu'il est tard dans l'année. Puis j'ai l'impression que d'ici, c'est dans un mois à peu près, on va vouloir faire les décos de Noël, peut-être. Peut-être pas non plus. Il me semble l'année passée, je me souviens plus quand est-ce qu'on avait fait ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir cette année avec Théo qui va être un petit peu plus vieux là. Est-ce que ça va avoir l'air? J'anticipe un peu, parce qu'il a déjà vu les décos de Noël, les espèces de boules là, qui vont dans le sapin, puis il fait juste dire « balle, 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 balle ». On est comme « non, 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 c'est pas des balles, ce n'est pas des balles, ce n'est pas des jouets ». On se rappelle, ce n'est pas des jouets. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Ok, ça c'est quand même cute, c'est pas vraiment compliqué, super simple, des petites feuilles. En même temps, je fais toujours, à chaque fois que je change de déco de même, là, je fais toujours un petit clean-up de mes décos. Ceux-là, tu sais, pour vrai, sont pas super belles. Là. Ils n'arrachent vraiment parce que ça fait plusieurs années. Je pense qu'on les avait à l'appart. Fait que, tu sais, je vais peut-être même débarrasser de ça, donner ça. Puis juste garder vraiment celles qu'on aime absolument. Je vais retirer ce petit sapin puis remplacer ça ici. C'est cute. C'est simple. C'est parfait. I love it. Juste un petit pop de couleur, juste pour dire. J'ai mis une petite citrouille juste ici,
qui aura pas de problème si Théo joue avec. Une affaire que j'ai vue par contre sur Amazon puis qui est vraiment hot, c'est un genre de coffee table book. Fait qu'un, t'as un livre là, genre comme on a de là-bas, mais version boîte. Fait que ça, on dirait que c'est un livre, mais c'est une boîte. Fait que tu peux venir mettre justement tes manettes qui sont pas full cute dedans, cachées. Puis je pense que ça peut être vraiment une belle affaire. Fait que je pense que ça va être dans mes prochaines acquisitions de décoration de maison. Shout out à la boîte de chocolat que mon chum est déjà en train de stripper. Cute petite pumpkin, juste là. Je pense qu'il peut être mignon comme ça. Ça, je vais l'enlever. Fait qu'avec ma chandelle brise d'automne de dans les bois. Cute! Je touche rarement à ce buffet-là maintenant parce que j'aime vraiment comment il est décoré. Même si le règne fait vraiment Noël, je trouve quand même que ça fit dans le décor. Fait que... on le laisse comme ça et c'est bien parfait. On a ce coussin-là qu'on a déjà placé ici que j'aime vraiment beaucoup. Il faut vraiment d'ailleurs que je trouve un endroit où mettre tout ça. Parce que ça m'angoisse tellement. Hein. Le bordel, vous savez à quel point j'aime pas ça. Ça, c'est le cadeau que mon ami est venu porter pour Théo. Fait qu'on va le surprendre avec ça tout à l'heure quand on va aller le chercher. Mais je suis sûre qu'il va être bien content de laisser plein d'ustensiles puis plein de petites casseroles puis de nourriture là, pour jouer dans sa petite cuisinette qu'il adore. Soit dit en passant, là, il joue tout le temps avec. Fait que c'est vraiment le fun. Donc ici, il y a beaucoup de coussins. Mais qu'on a justement le sol de fait, tu sais, le salon du sol, là, je vais en descendre une coupe en bas, fait que ça va en faire un petit peu moins. Je vais ranger la couverture verte de l'été, puis la ressortir au printemps. Mais d'ici là, on va mettre celle-là, que j'avais pris sur Amazon, je crois, qui est, je me souviens plus, ça fait longtemps, mais qui est juste orange comme ça, vraiment cute, puis ça fait très, très fall, fait que c'est mignon. C'est mon petit qui ont travaillé ici tantôt. Les coussins, je vais enlever ceux-là. Les coussins sont... J'ai remarqué l'autre fois que les housses de coussins ceux-là sont dégueulasses. Fait qu'il faut vraiment que je les lave. Donc, je vais juste prendre mon intérieur. Je vais laver la housse de coussin. Puis la ressortir l'autre saison. Puis mettre ces petits coussins-là orange. Qui vont ajouter une petite touche automnale encore une fois. J'aime vraiment mieux les housses de coussin pour décorer parce que de saison à saison, tu peux juste acheter justement une housse et non, tu sais, comme le coussin en entier, c'est vraiment plus facile à storer aussi. Mais je trouve tellement que le look d'un vrai coussin, genre ça là, c'est un vrai coussin. Puis je trouve que le look, tu sais, il a l'air vraiment plus sharp. Fait que je suis tout le temps vraiment mitigée entre ça, mais à un moment donné, faut faire des choix. Puis... c'est bien parfait d'y aller avec l'option qui est la plus abordable. Je sais que c'est pas tout le monde qui sont des fans de justement changer de la déco genre à chaque saison, mais moi c'est tellement quelque chose que j'aime faire. Je trouve que ça m'ordonne un vent de, je sais pas, d'inspiration. J'aime vraiment ça quand on change la déco, puis d'avoir comme, ça reste le même décor, le trois quarts, t'sais, le 7/8 des choses restent les mêmes, mais je sais pas, juste un peu adapté, puis je trouve ça le fun. Fait que que j'aime bien faire. Mon amie aussi nous a donné en fin de semaine, elle avait coupé plein de branches de son hydrangée, plein de feuilles, puis elle nous en a donné. Je les ai mis sur le centre de l'îlot, là. Pour vrai, c'est tellement beau. Je les ai faites, en fait, je les ai faites sécher, puis j'ai mis du spray net pour qu'ils restent vraiment belles longtemps. Puis pour vrai, ils sont magnifiques, là. Genre, c'est mes nouvelles fleurs d'automne préférées. Puis c'est super simple à faire. Là. Tu prends celle que tu as dans ta cour, puis ça fait la job. Là. How cute! Cute, cute, cute. J'aime vraiment ce que ça donne. J'ai trouvé mon petit pampas que je cherchais dans mes boîtes en bas. Fait que là, à savoir, on voit vraiment plus le côté droit que le côté gauche. Fait que je pense que je vais juste le mettre en arrière des citrouilles. En tout cas, je vais essayer de voir si ça sort bien, mais il manque de hauteur là, sur la deuxième tablette. J'essaie toujours d'aller chercher de la hauteur au moins avec un ou deux articles. Puis là, il n'y en a pas assez. Fait que... c'est exactement ce que je voulais. Fait que je sais pas si vous voyez la différence. Tu sais, ça ajoute un petit peu de hauteur sur ma tablette. Ça a pas l'air juste de deux affaires que j'ai mis en tapon là-bas. Ça a l'air réfléchi. Fait que checker les fleurs, comme je disais,
sont tellement belles, tu sais, il y a full de couleurs dedans. C'est magnifique, là. C'est vraiment genre ma pièce préférée en ce moment. Le vase qui est nouveau ici, qui vient du Winners. Fait que peut-être vous seriez capable de retrouver celui-là. Je veux changer ma chandelle aussi pour une chandelle d'automne. Donc, je vais sortir mes chandelles. Et j'ai trouvé ma petite chandelle Fresh Fall Morning de Bath & Body Works. Fait que... mettre ça ici, on va la laver. Alors, je vais faire un petit tour vite des décos qu'on a achetés, juste pour que si jamais vous en cherchiez, vous sachiez où les nôtres viennent, puis que vous puissiez avoir toutes les informations ici. Donc, ces deux-là viennent de Michaels. Les deux petites Fuzzy aussi, je les avais pris l'année passée. Celle-là aussi vient de chez Michaels, celle-là vient de chez Winners. Michaels, ils ont tellement de la belle décoration pour vrai, là. Ça vient de chez Winners. C'est tout du stock que vous ne serez pas nécessairement capable de retrouver les mêmes, je crois. Mais de savoir, t'sais, si vous aimez le vibe, que peut-être qu'il y en aurait d'autres similaires, ça peut être intéressant. Comme j'ai dit, je crois que la housse vient de Amazon, mais je ne suis pas sûre à 100%. Mais bref, je pourrais vous mettre le lien en barre info si je suis capable de la retrouver. Les housses de coussin viennent de chez IKEA. Celle-là que j'ai achetée ici vient aussi du Marshalls. Les plantes, les feuilles, comme j'ai dit, viennent de Dollarama. Puis le petit vase noir dans lequel il est du Walmart. J'ai acheté une autre petite serviette ici qui vient aussi du Winners. C'était un paquet de trois, puis les trois venaient ensemble. Sinon, on a celle-là qui vient du Dollarama. J'ai la même en blanche sur le buffet, je pourrais vous la montrer. Mais ils ont des full cute petites citrouilles là chaque année. Fait que ça vaut vraiment la peine. Même chose pour celle-là que j'ai achetée ici. Fait que juste un petit rappel, mais elle vient du Dollarama également. Et celle-là vient aussi du Dollarama. Puis juste de terminer, de cleaner un petit peu, laver les comptoirs, le four, tout le kit pour que tout soit propre. Ranger les choses. Puis laver la table. Bref, la seule chose qui va me rester à faire, ça va dépasser un petit coup de balayeuse. Fait que on va faire ça vite, mais... on va la vider avant toute chose parce qu'elle est vraiment pleine. Elle est morte. Et le meilleur feeling après avoir passé la balayeuse, j'ai fini par prendre juste la petite balayeuse à main là, juste pour faire les grosses parties qui en avaient vraiment besoin. C'est évidemment d'allumer une chandelle. Je vais essayer de ne pas la mettre trop proche de ça pour que ça pogne en feu. Il aurait fallu que je coupe mes mèches, mais genre, j'oublie tout le temps de faire ça. Après, c'est toujours après que je l'allume puis je vois qu'elles sont vraiment grosses que je suis comme oh my god, j'aurais vraiment dû. Comfy, cozy, cute outfit. Fait que cette laine-là que j'ai... ça fait des années que je l'ai, là. C'est juste une laine à manches courtes comme ça. D'après moi, chaque année, il en ressort plein de compagnies. Vous pourrez checker, là, mais celle-là, ça fait trop longtemps. Puis mes jeans du H&M, que j'adore. Ils sont comme quand même baggy, fait qu'ils sont vraiment confortables. Puis c'est bien relax comme souper. Donc, c'est bien parfait. Petit make-up. Très naturel aussi, 5 minutes et c'était fini. Je trouve que la clé, quand c'est super basic comme ça, là, ça aide vraiment d'acheter genre des accessoires. Fait que j'ai acheté ces boucles d'oreilles-là que j'ai pris sur Amazon, mon bracelet d'Anna Luisa, mon collier Triple Beads de Anna Luisa aussi, puis je vais rester en bas parce que je viens de passer à Valleyers, puis je vais vous porter des souliers dans la maison. Pour souper, on va manger une genre de bûchette qu'on a achetée au marché de notre ville. Oh, mon chum l'a fait décongeler, ouais. Qui est genre bûchette. C'est pas une bûchette, ça sonne très Noël, mais qui est. Ouais, c'est une bûchette, ça s'appelle. Fait que c'est porc au fromage suisse, épinard, sel, ail. Ça ressemble à ça ici. De. C'est une boucherie, le Breton Gourmand, à Sainte-Julie. Donc, on a déjà mangé ça avec nos amis, puis c'était super bon. Mon chum y a acheté pâté, antipasto, on a un brie, une baguette, puis différentes affaires avec des petits gâteaux. Fait que ça va être délicieux, petit souper pour la fête à ma belle-mère. Une de mes amies va venir prendre un verre avec nous aussi avant. Une de nos amies, en fait, là. J'inviterais pas mes amis random à un souper de famille, c'est comme une amie de la famille de tout le monde, là. Fait que... bref, elle s'en vient, elle va venir prendre un petit apéro avec nous. Fait que pas mal sûr que Théo va être bien content de voir tout le monde, de voir sa tati préférée,
de voir ses parents, de voir mamie, de voir son tonton. Il est genre obsessé avec ces personnes-là. C'est vraiment le fun, c'est vraiment cute. Puis avec tous les grands-parents, avec genre tous nos amis vraiment proches, nos deux frères, bref. C'est vraiment cute, c'est vraiment fun. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Je finis un petit peu de travail à l'heure pendant que les autres sont partis chercher. Que la fête commence. Check ma soeur, 9h, on est couché. Ah, il est sec les deux. Mais là, je sais pas, tu veux-tu du verre? On va voir si t'aimes ça. Ça m'aurait juste étonné qu'il en mange pour être bonne honnête. Ouais. Je vais essayer d'y en donner pareil, mais. Fais des beaux yeux! Oh, wow! Fais des beaux yeux, grand-maman! Encore? Hey! Son chandail gris est déjà bien sale, fait pour vrai. Tu gardes ton chandail? Miam, miam! Une grosse gorgée? Bacon, sel, ail. Maman va tomber. Ok, bisous sur la main. Sont à quoi? Je sais pas. Un framboise. En tout cas, c'est sûr que ça, c'est framboise. Ouais, c'est ça. En plus, il y a une petite guimauve. L'autre, c'est genre meringue. En plus, il y a une guimauve. C'est ton petit carré. Le souper est terminé. Et c'était vraiment, vraiment très bon. Je suis vraiment pleine, par exemple. Les petits gâteaux étaient tout petits, mais genre, on dirait que c'était assez pour être comme too much. Je pense que le fait qu'on a grignoté vraiment du pain, du pâté puis du fromage au début, ça a comme pas du aidé. Mais ce fut bien agréable. On a chillé juste après qu'on écoutait la TV un peu. Je viens de finir de coucher Théo, eux autres viennent de finir de ramasser. Puis tout le monde est parti quand même assez tôt, on était toutes vraiment brûlées. C'est ça l'affaire, c'est, genre c'est le fun les soupers comme le vendredi et tout, là, c'est léger, c'est festif, mais genre t'es tellement claqué de ta semaine que ça t'offre jamais bien tard, fait qu'il est 7h30 puis tout le monde vient de partir. Anto il disait je pense que je vais aller marcher parce que j'ai trop mangé, moi j'étais comme je pense que je vais aller m'effoirer dans le bain parce que j'ai juste envie d'être relaxée puis j'ai vraiment trop mangé, fait que j'ai vraiment mal au ventre. Mais je me dis que relaxer un peu ça va faire du bien, puis on se couchera pas bien tard de toute façon, on a un beau week-end en perspective. Que ça va être bien le fun, mais ça nous prend du juice. Fait que ça va ressembler pas mal à ça. Va aller prendre un petit bain, me démaquiller, faire la petite routine, puis se coucher pas bientôt. Je pense que je vais amener mon livre dans le bain, puis lire un peu. J'ai écouté des vidéos, comme ça je vais lire. Fait comme ça, je serai pas sur mon sel trop proche de dormir, puis je vais pouvoir avoir mon screen time pareil. Donc, on va se voir demain matin.